Bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette conférence, cette table ronde. Il y aura des échanges autour du projet de Juliette Jacobs, la marque des troubles racontés en images à travers un photoreportage. Je vais vous laisser le temps de vous installer et de me dire dans le chat d'où vous venez. Je vous rappelle également que si vous souhaitez recevoir des attestations, il vous faudra suivre la conférence dans son intégralité et répondre aux sondages qui seront diffusés tout le long de la conférence. Alors nous avons le Maroc, nous avons le Portugal, toujours en rendez-vous depuis le début des journées de la schizophrénie, Val d'Oise, Toulouse. Alors, c'est parmi les dernières occasions de pouvoir vous en parler. Je vous présente les Schizo Awards, la cérémonie pour arrêter de se faire des films sur la schizophrénie. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet schizoaward.com pour revoir la cérémonie qui avait été diffusée samedi dernier. Je vous parle également du coup de cœur de dimanche soir. Nous avions diffusé une série de courts-métrages et celui qui avait remporté votre coup de cœur, c'était Et toi, ça va, un court-métrage qui parle de la dépression et dont le script a été rédigé par Astrid Chevance, que vous aviez l'occasion de voir également lors d'une conférence, il me semble que c'était jeudi. Je vous parle également de notre carte du rétablissement, explorer l'écosystème des partenaires sur les reliefs de la schizophrénie. Comme vous pouvez le voir, le parcours de rétablissement n'est pas linéaire et fait intervenir toutes sortes de personnes, que ce soit l'entourage, les d'autres personnes vivant avec un trouble psy ou bien sûr les professionnels. Cette année, notre slogan, c'est la force du collectif, la clé pour se rétablir de la schizophrénie. En effet, le partenariat est un changement de posture. Il ne s'agit plus de faire pour la personne, mais bien avec elle. Et enfin, je vous parle de la pétition qui a été lancée maintenant il y a quelques jours et qui a déjà remporté un peu plus de 8 000 signatures. Nous avons encore besoin de votre aide. Partagez cette pétition autour de vous, signez-la. Ses objectifs sont d'informer, de prévenir et déstigmatiser autour de la santé mentale pour que ça devienne une grande cause nationale en 2025. Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Élise pour présenter nos intervenants. Bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup Noémie. Donc comme disait Noémie, on se retrouve aujourd'hui autour d'un format un peu différent de d'habitude puisqu'on est on va vous présenter une exposition photo et on va voyager au travers d'une exposition virtuelle. Alors Juliette, si tu m'entends, voilà Juliette Jacob, tu es photographe et donc tu es à l'origine de ce documentaire photo et vidéo La Marque qu'on va voir aujourd'hui. Je te laisse dire quelques mots déjà rapidement sur cette exposition et puis ensuite peut-être, je sais que tu es venu entourer, présenter les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Oui, merci Elise pour cette introduction. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis Juliette, je suis photographe. Documentaire, c'est important de le préciser quand même, parce que j'ai à cœur de documenter la santé mentale et l'art engagé, ces deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, on est là pour présenter plus, vous l'aurez deviné, l'aspect santé mentale. Alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai vécu de ma propre chair et depuis ma plus tendre enfance. Quand j'ai commencé la photographie, en fait, c'était ça, le sujet de la santé mentale a été là dès le début. En revanche, la première chose que j'ai souhaité documenter, c'était la santé mentale, mais par le biais d'autres personnes. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, en fait, que je me sentais mal à l'aise à l'idée de raconter des histoires qui n'étaient pas la mienne sans utiliser la photo comme outil thérapeutique pour explorer ma propre relation à la santé mentale. Et c'est donc en utilisant des archives et en documentant mon parcours et celui de ma maman que j'ai commencé à documenter du coup l'univers de la santé mentale, plus précisément des TOC et des TCA, donc troubles obsessionnels compulsifs et troubles du comportement alimentaire. Et vu que mes troubles du comportement alimentaire sont intrinsèquement liés à ma relation avec ma maman, parce que celle-ci a des TOC et que du coup j'ai grandi dans l'univers de ces TOC depuis que je suis née, hein, j'ai voulu documenter notre relation par le biais de la santé mentale. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter du coup ta maman et les deux personnes de ton entourage qui sont venues aujourd'hui aussi?
Oui, donc ben, je vais faire dans l'ordre de connaissance. Hein. Donc, il y a ma maman qui peut désactiver sa caméra et son micro, je pense. Bonjour. Voilà, qui du coup qui a des troubles obsessionnels compulsifs liés à la propreté depuis, je pense, qu'elle a 20-25 ans. Et du coup, en grandissant à ses côtés, j'ai connu, enfin, voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là et on a construit une complicité. Qui nous a beaucoup aidés au fur et à mesure ben, de notre parcours. Et ben, je l'ai peut-être pas précisé, mais à la base, on est de Belgique et je suis venue en France, à Paris, pour mon master en photographie. Et en partageant mon travail sur Internet, j'ai rencontré Stéphanie, qui a des TOC aussi, et avec qui on a aussi directement construit une belle amitié. Et on a aussi construit l'association Talk to Me qui a pour but de parler des TOC à travers la psychologie, l'art. Et ça, en fait, faire ça, la rencontre de Stéphanie, ça m'a prouvé que la santé mentale ne devait pas être un sujet tabou, que ce n'était pas une question de complaisance, mais qu'au contraire, ça pourrait ouvrir plein de portes et on fait faire de très belles rencontres. Et avec Talk to Me, donc notre association qu'on a aussi avec Audrey Gonnet, on a eu l'opportunité d'enregistrer un podcast qui n'était d'autre que le podcast de Clotilde Costil, On marche sur la tête, qui est aussi invitée aujourd'hui à ce webinaire. Et pas pareil, un coup de cœur amical, si bien qu'aujourd'hui on vit en colocation toutes les deux et on est très proches. Donc, encore une preuve que parler de la santé mentale, ça, voilà, ça nous fait faire de belles rencontres. Merci, bienvenue Nathalie, Stéphanie et Clotilde aux côtés de Juliette. On aura l'occasion effectivement de revenir sur vos rencontres. Mais avant, je vous propose de commencer à découvrir la marque à travers du coup la vidéo qui en a été faite. Et puis ensuite Juliette, je te laisserai du coup présenter et nous faire voyager dans ton exposition virtuelle. Merci. Alors, ma youyou, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu le sais déjà, tu l'as déjà senti. Je crois que tu as compris qu'on n'est pas tout à fait une famille comme les autres. Et c'est à cause de maman. Parce que maman, elle a une maladie. C'est pas grave, c'est pas une maladie où il arrive des choses graves. C'est juste dans sa tête. Voilà. Et ben cette maladie-là, ça s'appelle des TOC. C'est rigolo, hein? Ça fait toc toc qui est là, mais c'est embêtant. Et à cause de ça, bah, vous faites des choses un peu différemment des copains et vous êtes des vrais petits héros, ton frère et toi, parce que vous m'aidez et que vous essayez de me comprendre. Alors, en faisant ce documentaire, au début tu m'as fait mal. Enfin, ça m'a fait mal. Parce que c'est des choses intimes, c'est des choses douloureuses et dont on n'a pas envie de parler. Donc, tu m'as posé parfois des questions. Ouf. C'est vrai? Ah non, non, non. Pour te voir, toi, avec ton trognon de pot de poire. Tu te dis, c'est moi qui refilais ça à mon gosse. C'est Quoi moi. filer? Ben oui. Aussi bien au niveau génétique qu'au niveau comportemental, ça ne vient pas de nulle part. Et puis j'ai compris l'acte d'amour qu'il y avait derrière ce que tu faisais. Personne n'a jamais eu un acte d'amour pareil envers moi. Ok, ça parle de toi, mais j'ai eu l'impression que tu voulais me réhabiliter, me rendre quelqu'un, refaire de moi quelqu'un de bien aux yeux de ceux qui m'avaient mal jugé. Mais l'acte d'amour, je l'ai reçu, et le fait de montrer et de dire, c'est un combat. Cette femme n'est pas juste. Une folle, une capricieuse, une toquée, une rigolote avec sa bouteille d'alcool et son refus d'embrasser tout le monde. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la salle d'Ardra, toute ta vie tu t'es battue par amour pour nous. Alléluia, il y a une personne qui s'en est rendue compte, quoi.
Et non seulement elle s'en rend compte, mais elle me dit merci, alors que je lui ai dit pardon toute ma vie. Elle me dit merci, elle veut le montrer aux autres. Merci Juliette et Nathalie pour ce oui Juliette et Nathalie pardon pour ce beau partage. Juliette, maintenant je vais te laisser du coup présenter les photos qui vont avec la vidéo. Voilà, ben merci à vous du coup pour cette attention et pour donner la parole à ce projet mon équipe, je vais dire. Donc oui, comme la vidéo le dit assez bien, les tocs, c'est pas le sourire que j'ai là maintenant à être devant vous parce que je suis contente d'être là et de montrer les relations que j'ai construites autour de ce sujet. Mais c'est aussi des moments plus compliqués parfois, des traumatismes qu'on surmonte ensemble et qui créent des relations assez complexes. Et ce que j'ai voulu faire en fait avec ce projet, c'est justement montrer la subtilité, si je puis dire, des relations et de la pair aidance et du fait de grandir d'enfant, du point de vue du regard d'un enfant qui comprend pas très bien ce que sa mère a. Puis vers l'adolescence, où il y a le côté rébellion, le côté mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses obsessions, jusqu'à ce que moi-même je développe mes propres obsessions et qu'aujourd'hui on soit deux femmes qui combattent ça, qui avons beaucoup progressé, mais voilà, qui avons toujours nos démons. Donc c'est ça que je voulais explorer avec ce projet photo et cette vidéo. Et juste avant qu'on commence, est-ce que je peux me permettre de te poser la question, pourquoi ce format photo, justement, par rapport à d'autres formats qu'on pourrait trouver? Oui, alors j'ai été hospitalisée pour mes troubles du comportement alimentaire quand j'avais 17 ans, en 2017. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne pensais qu'à la nourriture. Je vivais, dormais, respirais en pensant uniquement à la nourriture. Et la photo m'offrait beaucoup de choses, notamment le fait de comprendre la place que mon corps prenait dans l'espace. Il m'offrait la possibilité de stopper le temps et de pouvoir mieux contempler mon environnement. Alors que j'étais et je suis toujours, enfin moins forcément, envahie par des pensées intrusives. Et ça me donnait aussi la possibilité d'avoir des archives et de raconter mon histoire dans un moment où j'avais l'impression d'être complètement désincarnée de qui j'étais. Ok, merci beaucoup pour ce point supplémentaire, parce que c'est vrai que bon, il y a tellement de manières de montrer voilà ce qu'on vit et voilà ce format photo finalement on ne l'a jamais eu lors des JDS. Donc voilà, c'est une première. Et du coup, bah, je vais vous laisser, enfin je vais te laisser du coup présenter cette expo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, l'expo photo que vous allez voir aujourd'hui contient plusieurs formes de photographies, des photographies d'archives qui sont assez anciennes, des photographies que j'ai réalisées lorsque j'ai décidé vraiment de raconter cette histoire qui sont plus mises en scène, plus artistiques. Et je trouvais que c'était le mélange des deux qui pouvait créer une notion de doux amer et de vérité par rapport à ce que c'est de vivre avec des TOC et des TCA. Alors, il faut savoir que grâce à ma maman, j'ai grandi dans un univers artistique parce qu'elle est prof de théâtre. Et du coup, une grande partie de ses photos ont été réalisées dans l'académie de théâtre où elle travaille. Parce qu'en fait, un des aspects fondamentaux des TOC de ma maman, c'est qu'on ne peut pas rentrer chez elle n'importe comment. Il y a tout un rituel à suivre. Et en gros, tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas rentrer à l'intérieur sans être désinfecté. Du coup, pour raconter cette histoire, c'était assez compliqué parce que forcément, rentrer une caméra, la laver, c'est compliqué. Ça impliquait plein de choses. En conséquent, la plupart des photos sont des mises en scène des talks de ma maman qui ont été réalisées soit à l'académie où elle travaille, soit chez mon grand-père ou ma grand-mère. Et je pense que normalement, on devrait avoir un accès sur la première photo. Donc la première image est un portrait de ma maman qui a été réalisé justement dans l'académie où elle travaille, où on peut voir mon reflet derrière en train de la prendre en photo.
Et en fait, vu que ma maman est prof de théâtre et que elle, son domaine, c'est vraiment l'amour de l'écriture du théâtre, ce travail photographique est aussi accompagné d'un travail d'écriture assez mis en, enfin, présenté visuellement sous forme de pièces de théâtre, où en fait c'est un dialogue entre moi et ma maman qui raconte un peu notre introspection et les réflexions qu'on a eues par rapport à nos troubles et comment ça a émergé et évolué au fur et à mesure. Alors, ces deux images sont assez. Donc, vous verrez au fur et à mesure que les images sont plus subtiles et ou moins subtiles. Celles-ci, en revanche, sont moins subtiles et montrent de manière assez évidente comment ma maman vit ses tocs. Donc, en se lavant beaucoup les mains de manière assez longue, en allant bien partout où il faut. Donc, ça, je pense que la plupart des gens peuvent voilà, bien se laver les mains, mais c'est vrai que ma maman le fait certainement plus souvent et plus longtemps que la moyenne. Et la deuxième photo, du coup, c'est une mise en scène qui a eu lieu chez mon grand-père. Où en fait, quand on passe de l'extérieur à l'intérieur de la maison de ma maman, comme j'ai dit, il faut du coup se désaffecter complètement. Donc il y a un espèce de sas intermédiaire où il faut se déshabiller et puis directement monter se laver et avoir une tenue d'intérieur qui est une tenue stérilisée. Bon, en gros, c'est juste un pyjama hein, qu'on garde à l'intérieur et qu'on enlève une fois qu'on sort à l'extérieur. Mais quand on rentre de l'entrée principale vers la salle de bain, il faut que notre corps ne touche rien, sous risque que la pièce, enfin, sous risque de contaminer un mur, par exemple, ou une chaise. Du coup, il faut vraiment ne rien toucher jusqu'à ce qu'on soit à la salle de bain. Mais par contre, les pieds sont obligés de toucher le sol quand on rentre. C'est pour ça que quand on rentre chez ma maman, il y a un torchon où on se lave les pieds. Et puis, enfin, on se lave les pieds avant tout le reste, et puis on va dans la salle de bain pour se laver le reste du corps. Et du coup, la troisième photo représente ça. Du coup, cette photo-là, c'est une photo qui me tient particulièrement à cœur. C'est un peu difficile, je pense, de deviner au début ce que ça représente. Et parce qu'elle est assez symbolique, en fait. Pour contextualiser, cette photo, c'est un livre dans un bloc de glace. Alors, pourquoi un livre dans un bloc de glace? C'est parce que ma maman était et est toujours passionnée par la littérature. Elle a toujours aimé lire et écrire. Et c'est vrai que, ben, en grandissant et au fur et à mesure qu'elle a développé ses tocs, sa maladie a pris plus de place dans son quotidien et a du coup laissé moins de place à ses passions. Donc, au fur et à mesure, elle a écrit de moins en moins et ça a un peu figé ses passions, en fait. Et c'est pour ça que j'ai présenté ce livre sur un bloc de glace. Donc, voilà, il y a le contexte symbolique et puis il y a aussi le contexte réaliste où, ben, vu qu'un livre ne se lave pas, s'il vient de l'extérieur et qu'on le rentrait à l'intérieur de la maison de ma maman, il faut le mettre au congélateur pendant environ 48 heures pour qu'il soit en fait décontaminé. Donc en fait, les livres sont mis dans des blocs de glace, que ce soit métaphoriquement parlant, comme dans la réalité en fait. Donc c'est ça ce que cette photo représente. Alors, je vous invite évidemment à parcourir l'exposition. Je pense que vous avez le lien juste ici dans la discussion, où il y a vraiment plein, plein, plein de photos. Ici, on passe en revue vraiment les photos qui, je trouve, illustrent le mieux et peuvent raconter l'histoire sans aller trop dans les détails. Maintenant, voilà, si vous voulez aller plus dans les détails, vous invite vraiment à aller sur la galerie en ligne. Alors, cette photo-là, c'est une photo de l'œil de ma maman qui porte un masque de théâtre. Donc d'où sa passion pour le théâtre, comme je le disais, et le fait, voilà, la relation avec le réel et l'irréel, toujours, parce que c'est vrai que, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes qui nous écoutent en ce moment, qui ont des tocs, mais quand on a des tocs, souvent, on a tendance à avoir un univers qui est très personnel, un peu basé sur des symboles qu'on va attribuer aux choses, en fait. Et je trouvais que le masque de théâtre représentait assez bien cela. Et juste derrière la photo, en fait, il y a un texte que ma maman a écrit, qui représente... Alors forcément, ça change tout le temps, hein, mais qui représente les idées types qu'elle peut avoir sur une journée par rapport à ses tocs. Donc voilà, tout ce qu'il y a écrit derrière, c'est les obsessions et rituels qui sont liés aux tocs que maman peut avoir sur une journée. Évidemment, c'est pas toujours les mêmes tous les jours, mais voilà, c'est un bon exemple. Si vous avez envie de lire, je vous encourage à y aller, mais je pense qu'il faut avoir une bonne vue et une bonne patience. Mais voilà, vous pouvez zoomer et lire. Je trouve qu'elle a très bien écrit ça. Et la photo suivante, c'est une photo des mains de ma maman.
Alors, ma maman, elle a 52 ans et ses mains sont, comme vous pouvez le voir, très abîmées suite à l'usage excessif de produits qui ne sont pas forcément prévus pour la peau humaine et qui sont des produits désinfectants et chimiques pour désinfecter. Donc, comme quoi, ça peut aussi impacter le corps. Et ces deux photos suivantes, en fait, j'aime bien les associer et les mettre directement après la photo de la main, parce qu'on voit la main de ma maman qui rentre dans ma clavicule. Et je trouve que ça représente bien l'idée de transmission, en fait. Alors, j'ai pas envie de remettre tous les mots et toute la culpabilité du poids de la maladie à ma maman, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre les TOC et les TCA, notamment le thème de l'obsession, des rituels. La notion très dichotomique du propre et du sale, du gras, du pas gras, du sain, du pas sain. Et c'est vrai que voilà, c'est une vision qu'on a en commun sur les choses. Et je trouvais que voilà, montrer sa main qui va dans ma clavicule, ça illustrait assez bien cette idée de transmission de la maladie. Et la photo suivante, c'est moi qui tiens un trognon de pomme, simplement. Elle est assez aussi symbolique, parce qu'il faut savoir que c'est pas une pomme, pardon, c'est une poire. Il faut savoir que la poire, c'est un de mes fruits, si pas mon fruit préféré, mais qu'il y a tout un moment dans ma vie où j'ai plus su en manger, en fait, parce que mes TCA m'en empêchaient. Alors, souvent, on va associer les TCA à l'envie d'être belle et mince, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, pour ma part, ça s'est traduit à. C'est devenu vraiment un souhait d'être un personnage un peu magique, si vous voulez, un elfe. Une martyre de ma propre existence, c'est souvent la phrase que je redis, où en fait je voulais pas avoir le corps d'une femme, je voulais garder le corps d'un enfant, ne pas grandir et voilà être un peu une créature féerique. Il faut savoir que ma maladie, je l'ai aussi énormément construite sur l'univers du romantisme, donc j'étais fascinée par des opéras comme La Sylphide. Ayant grandi aussi dans l'univers du théâtre de ma maman, j'adorais la littérature. Du mouvement romantique. Et c'est vrai que les femmes dans la littérature romantique sont souvent représentées comme très transparentes, ne prenant presque pas de place. Et j'ai l'impression que cet imaginaire-là a aussi pas mal alimenté, le terme est bien choisi, mes TCA. Du coup, voilà, tout ça pour réexpliquer, parce que je me rends compte que je n'avais pas introduit assez bien les TCA, le fait que j'avais un dégoût vraiment très fort du corps de la femme, et que vu que la poire peut évoquer de manière plus ou moins réaliste le corps d'une femme. J'ai arrêté de manger des poires pendant tout un temps. La même chose pour la guitare. Il y a un moment où je pensais à reprendre la guitare et j'avais mis totalement la guitare de côté parce que les courbes d'une guitare rappellent les courbes d'une femme, en fait, simplement. Du coup, c'est pour ça, voilà, que cette photo existe. Alors, la photo suivante, c'est un petit tableau qui montre à quel point, en fait, quand on a des TCA, la moindre calorie compte. Je pense que c'est une habitude qui est commune à beaucoup de gens qui souffrent de TCA, c'est qu'on va noter et encoder tous nos apports alimentaires au détail près. Donc, par exemple, à la place de consommer du sucre, on va avoir tendance à consommer des pastilles d'édulcorants. Mais évidemment, l'édulcorant, même si c'est beaucoup moins calorique que du sucre, il y a quand même des calories. Donc, même si c'est juste une seule calorie, ça compte. Pareil pour les médicaments. Il y a beaucoup de fois où quand j'étais malade, où j'ai refusé de me soigner juste parce que les médicaments contenaient des calories, en fait, et que je ne voulais pas que ça fausse mes calculs. Et pareil pour les chewing-gums. C'est un truc qui existe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des TCA qui vont se remplir l'estomac de coton, parce que le coton ne contient pas de calories et ça se digère. Voilà. Donc, comme quoi, on est vraiment prêt à tout pour ne pas fausser nos calculs parfois. Alors ça, c'est une photo qui a aussi été prise la même année que celle que je vous présentais pour jusqu'à présent, et que j'aime beaucoup parce que je la trouve assez énigmatique. On ne sait pas dire trop si c'est ma maman ou moi. Et comme vous voyez, c'est pris dans une douche avec une espèce de cocon du produit autour de nous.
de elle et ou moi, c'est à vous de voir comment vous voulez voir la chose. Mais elle montre un peu la façon dont on peut se projeter l'une dans l'autre, parce que c'est vrai que quand on a des... Je pense que vous le vivez certainement, si vous avez une maladie, un trouble mental, c'est qu'on se sent parfois hors norme et jugé ou stigmatisé par notre propre famille ou par la société. Et la chance que j'avais, c'est que ma maman connaissait ce ressenti et qu'elle je connaissais ça aussi. Du coup, on s'est beaucoup entraidés parce qu'on se comprenait l'une l'autre, en fait, simplement. Et ça, bah, c'est une photo d'archive, donc une photo qui est beaucoup plus ancienne, qui date de 2017 quand j'ai été hospitalisée. Alors, à l'époque, j'étais dans un hôpital à Liège, donc c'est là d'où je viens. Et cette photo, je la trouve très ironique, en fait, parce que j'étais très maigre. Et en fait, pour soigner les TSA, il y a deux stades. Il y a le stade où on soigne d'abord le corps, donc où le corps doit reprendre des forces, parce que si le corps ne suit pas, on ne peut pas soigner l'esprit. Et une fois que le corps est soigné, on peut du coup se permettre de passer plus de temps à soigner l'esprit. Et là, j'étais dans un état de dénutrition tel qu'il fallait d'abord soigner le corps et puis l'esprit. Donc j'avais une sonde nasale qui rentrait dans mon nez et qui me donnait une substance, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est un complément alimentaire qui rentre dans mon corps 24 heures sur 24 pour me faire reprendre du gras. Et vu qu'en fait, que le complément alimentaire qui rentrait dans mon corps était... très calcaireux, il arrivait en fait que la sonde se bloque. Et quand la sonde se bloquait, la machine sonnait et indiquait erreur d'alimentation. Et voilà, je trouve ça très drôle. Alors aussi, on a deux photos. La première photo reprend dans le même exemple que la photo de ma maman avec le masque de théâtre. C'est la même chose, mais avec moi, en fait. Donc, derrière le texte qu'il a écrit, c'est toutes les pensées types que je peux avoir liées à mes TSA sur une journée. Et la photo, ça représente, en fait, le fait. Ça fait beaucoup de, en fait. Ça représente le fait que j'ai été aménorrhée longtemps à cause de mes troubles du comportement alimentaire et que, du coup, j'avais plus mes règles. Et à la fois, c'était une tristesse, mais à la fois, ça me confortait dans le fait que j'étais pas une femme et que j'étais, voilà, un entre-deux, ni un enfant, ni une femme. La photo suivante, c'est un rappel, je pense, Ophélie. Donc, un personnage de la littérature romantique que j'idéalisais, que je voulais incarner. Donc, ça a été pris dans la baignoire de mon grand-père. Donc, la baignoire, le fait qu'il sorte d'une baignoire, c'est pas pour rien non plus. Il y a aussi l'idée de lavement qui rappelle les tocs. C'est une photo que ma maman a prise de moi. Donc, c'est pas vraiment un autoportrait. Et c'est une photo voilà, qui me tient à cœur parce que c'est un moment qu'on a passé ensemble et que même si la photo a une aura dramatique, on a beaucoup rigolé en la faisant. Et voilà. Alors, je pense qu'on peut aller à la photo J29, donc qui était au-dessus. Donc c'est celle où je tire un foulard rouge, voilà. Oui, donc comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Chaque photo qui a sa propre histoire et des photos qui dénotent un peu des autres. Par exemple, celle-là ressemble graphiquement et en termes de colorimétrie beaucoup moins aux autres photos. Elle a été prise à l'académie de ma maman, enfin l'académie de théâtre où ma maman travaille. Et c'est une image où je tire en fait un foulard rouge. Alors le foulard rouge peut représenter deux choses, il peut représenter la maladie et elle peut aussi représenter les règles. Donc le fait que maman, c'est une maman, elle a une figure de femme qui est très ancrée en moi. Et je pense pour elle aussi, parce que le fait d'être une maman, c'est voilà, elle dit souvent que, même si j'aime pas trop quand elle dit ça, elle dit souvent que c'est son rôle dans la vie. Donc voilà, pour être le fait d'être mère, c'est très important.
Du coup, l'idée de maternité, d'être une femme, et au contraire, pour moi, c'est tout le contraire. C'est, je veux pas être une femme et je veux être propre, même si le terme n'est pas le bon, mais c'est ce que la maladie me dit. C'est que être une femme, enfin, me disait, hein, c'est plus le cas maintenant, mais qu'être une femme, c'est sale, avoir ses règles, c'est sale, avoir des courbes, c'est sale. Du coup, je voulais marquer cette opposition et aussi montrer que c'est possiblement lié à ce moment-là à un rejet des talks de ma mère. Et le fait de vouloir construire mon propre univers. Enfin, voilà, cette photo-là dit plein de choses. Et il y a aussi le fait que, ben, comme vous l'avez remarqué, il y a aussi cette idée de statue qui rappelle un peu l'univers artistique et théâtral qu'on a construit ensemble. Alors là aussi, une photo d'archive qui montre ben, la sonde nasale que j'avais et qui m'alimentait. La photo à côté, c'est une photo du carnet que j'avais et qui servait en fait à noter mes apports caloriques journaliers par rapport à l'évolution de mon poids. Alors, petit détail qui est pas... qui est... Bon, voilà, je voulais quand même le dire, mais sur le carnet, il y a plein de petites lignes noires. Et en fait, c'est des sourcils et des cils que je m'arrachais. Parce que ben, ça me rendait anxieuse et que du coup ben, c'est comme se ronger les ongles, là je m'arrachais ça pour me défaire d'une anxiété, mais aussi ben, parce que moins il y a de poils, moins il y a de cils et moins je suis lourde en fait, et sur la balance ça pèse moins. Tout comme à une époque, il m'est arrivé de ben, vouloir me couper les cheveux pour peser moins lourd sur la balance par exemple. Alors là aussi, une photo d'archive qui a été prise juste après mon hospitalisation, où en fait, je manquais beaucoup de calcium et que quand on manque de calcium, forcément, ça impacte la densité osseuse. Et du coup, j'ai eu des micro-fractures bah, qui ont été dues au manque de calcium. Et voilà, ça, c'est juste l'image d'un scanner qui représente ça. Mais je l'ai mise parce que je trouvais qu'elle allait assez bien avec cette photo-ci. Alors, il faut savoir que après mon hospitalisation, je suis allée étudier à l'université et j'ai plus vécu avec ma maman parce que voilà, j'avais besoin de prendre beaucoup de temps d'études et que j'avais besoin de mon espace pour ça. Et du coup, je ne suis pas retournée chez ma maman pendant 4-5 ans, une fois que je suis repartie, parce que c'est trop compliqué pour moi de refaire les rituels de lavement qu'on avait. Mais je suis retournée chez ma maman 5 ans plus tard dans l'optique de réaliser ces photos, en fait. Et il faut savoir que j'ai deux frères, Tristan qui a 3 ans et Romain qui a 13 ans. Et que quand je suis retournée, bah forcément, eux, ça faisait très longtemps qu'ils ne m'avaient pas vue à la maison. Ils étaient contents. Et du coup, ils faisaient un peu les fous. Et Tristan, en fait, donc le grand, a porté Romain, le plus petit, à travers la porte. Et c'est pour ça qu'on voit ses jambes dépasser. Donc, je trouvais ça drôle parce que ça montrait l'enthousiasme de mes frères à ce que je sois revenue pour prendre des photos. Mais c'est aussi une photo assez onirique et mystérieuse et qui représente, je trouve, qui va bien avec les photos juste avant. Alors, l'histoire que j'essaie de raconter, là, même si elle n'est pas finie, parce que je pense que c'est un projet que je documenterai toute ma vie, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et que je souhaite le raconter par l'optique de ma maman et moi, mais aussi par l'optique d'autres personnes. Mais j'ai envie de montrer aussi la progression et le fait qu'on peut aller vers un mieux. Pour ma part, suite à mon hospitalisation, ça a été progressivement mieux, même si j'en garde quand même une trace. Et cette photo-là a été prise dans le jardin de ma grand-mère pour montrer un peu la libération et le fait que voilà, on se débarrasse de quelque chose, même si j'ai discuté avec plusieurs personnes et que chacun a un peu une lecture différente de cette photo. Alors ça aussi, cette photo-là, c'est ma maman qui l'a prise. Alors, on n'entend pas beaucoup, mais évidemment, ce travail, c'est un travail qu'on a fait à deux.
J'en suis l'auteur parce que ben, l'initiative et la direction, c'est moi qui l'ai fait, mais forcément, tu n'aurais jamais vu le jour sans ma maman, qui m'a proposé plein d'idées, qui a pris les photos de moi, qui a vraiment donné beaucoup de son temps et de ses efforts ben, pour ces photos-là. Et du coup, si elle a un truc à dire, j'aimerais bien avoir son point de vue parce que j'ai l'impression que faire ces photos, ça nous a rapprochés, ça nous a permis de mieux nous comprendre l'une l'autre. Et je pense que ça a été thérapeutique à la fois pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour notre relation en tant que ben, mère et fille. Nathalie, est-ce que tu souhaites rebondir du coup sur ce que Voilà. Juliette a dit? Bonjour. Ben oui, ben je suis très émue, évidemment. Et comme je le disais dans le reportage, quand Juliette m'a parlé de faire ce projet, la marque, j'avais pas du tout envie, j'étais morte de trouille. La culpabilité m'accompagnait depuis très longtemps. Culpabilité d'avoir fait vivre ça à tout mon entourage, culpabilité d'être différente, mais aussi culpabilité de lui avoir refiler quelque part une forme de maladie et de marque, donc d'où le titre. Et c'est vrai que faire ces photos, autant ça m'a coûté au départ, autant ce sont devenus des moments magiques. Proche, je pense qu'on l'a toujours été, même s'il y a eu une phase de rejet qui est propre à tous les adolescents et qui a peut-être été plus marquée parce que, étant très fusionnelle, Juliette et moi, je pense qu'elle a eu besoin de se faire son identité propre aussi. Et c'est vrai que ces 4-5 ans où elle n'a pas vécu avec nous, mais où on se voyait, je l'ai laissée faire son chemin, mais la culpabilité était toujours là. Et la marque, ce geste qu'elle a fait de venir vers moi et de dire je comprends ce qui s'est passé, je comprends la souffrance, j'ai pas de jugement et je suis là pour parler de nous, de notre histoire. Mais c'est vrai que ça a créé quelque chose de particulier. Ça m'a permis d'avancer aussi. Ça m'a permis de changer de regard un petit peu par rapport à moi-même et voilà, peut-être d'accepter un peu ce qui n'était qu'obscurité avant et d'en faire autre chose. Voilà. Et un jour, je me souviens que j'avais demandé à ma thérapeute si un jour j'ai un enfant et que cet enfant souffre de ça ou de ce genre de maladie, je m'en voudrais toute ma vie. Et elle m'avait dit, mais vous serez la première à le voir et à pouvoir l'aider. Et quelque part, c'est un risque que j'ai pris. Et je pense que toutes les mamans d'enfants en souffrance ont ce mélange de culpabilité, mais d'être aussi heureuse de pouvoir aider quand il y a moyen. Et voilà, comme elle dit, aujourd'hui on est deux femmes et on avance main dans la main. C'est précieux, c'est vraiment très précieux. J'admire infiniment la femme qu'elle est devenue, l'artiste, mais l'être humain aussi, elle est très lumineuse. Je crois que partout où elle passe, elle laisse une marque elle aussi. Et voilà. Merci beaucoup pour cette belle prise de parole, Nathalie. Est-ce que le travail de Juliette, donc j'imagine que ça a un peu changé effectivement vos relations, même si tu disais que vous étiez déjà très proches. Et ça questionne aussi donc la place et la place du proche finalement dans le parcours de rétablissement. Est-ce que ça a également contribué à ouvrir le dialogue auprès de votre entourage de manière générale, cette expo photo? Comment ça a été reçu par votre entourage à toutes les deux? Je ne sais pas. Je pense que c'était trop tard, en fait. Déjà. Juliette, Ma tu veux? vision est peut-être un peu différente, parce que c'est vrai que maman, quand on était petite, on disait beaucoup qu'il ne fallait pas le raconter. Et on l'a raconté ensemble. Et peut-être plus que de mon côté que du tien, mais ça c'est aussi quelque chose du coup qui doit te montrer qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport au TOC, c'est que ça m'a permis de faire des rencontres très très belles, notamment celle de Stéphanie et Clotilde que je mentionnais tout à l'heure qui sont là. Et je pense maintenant c'est mon regard, tu vois, je suis pas dans ton cœur et je sais pas comment les gens te regardent, mais j'ai l'impression que les gens comprennent plus, toi, ta maladie, peut-être qu'avant, où on en rigolait beaucoup, je sais pas ce que tu en penses.
Je pense qu'il y a déjà une plus grande connaissance de ce qu'est la maladie. Je veux dire, quand ça a commencé, on ne savait pas du tout ce que c'était les TOC. J'ai découvert ce que c'était les TOC en regardant Jean-Luc Delarue qui présentait une émission. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est ça, on ne savait pas comment soigner. Enfin, la différence des TOC par rapport à beaucoup de maladies psy, c'est qu'on se rend compte qu'on déconne complètement et qu'on pierre pied et que c'est pas. Qu'il n'y a rien de raisonnable dans nos comportements. Et ça, évidemment, si nous-mêmes, on a du mal à le comprendre, je pense que pour les proches et les moins proches, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a des étiquettes qui se posent, il y a des mots durs qui sont prononcés. Et ce n'est pas évident. Et je pense que Juliette a été confrontée aussi à ce regard qui était posé sur moi très tôt. Et ça a peut-être changé, je pense, pour les gens. Le cadre large, c'est mieux connu. Le fait qu'elle en ait parlé a un peu déstigmatisé le sujet dans la famille ou dans la belle famille, mais je ne sais pas du tout comment ça a été reçu en fait, parce qu'on n'en a pas parlé. D'accord. Et Juliette, tu disais effectivement que ça avait permis des belles rencontres. Tu as aussi dit, il me semble t'avoir entendu dire que c'était une exploration individuelle, mais aussi un pas vers l'autre, cette exposition. Qu'est-ce que tu entends par ça? Et est-ce que dans ce cas, tu parles aussi des rencontres que tu as faites à la suite de cette exposition, enfin de ce reportage photo? Oui, tout à fait. Ben, c'est drôle. Quand j'ai commencé à raconter cette histoire, j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi, désolé pour le terme, mais il fallait pas fouiller dans la merde et que c'était une question beaucoup de complaisance et que ça entretenait la maladie. Et au contraire, moi, ça m'a juste en fait fait faire des rencontres qui sont très belles et très fortes, qui sont aussi hyper importantes dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai l'impression que quand on a une conversation avec quelqu'un et qu'on ose parler de nos vulnérabilités, que ce soit les TOC ou autre chose, qu'en fait ça fait tomber des murs et qu'en fait ça crée aussi des relations, peut-être que c'est ma vision, mais assez authentiques et spontanées, comme celle que j'ai avec Stéphanie et Clotilde. Donc Stéphanie avec qui on a du coup créé l'association Talk to Me. Qui m'a invitée chez elle, où elle est à Nice, où moi, en tant que petite Belge, ben voilà, aller à Nice et la rencontrer, c'était vraiment formidable. Et Clotilde, que j'ai rencontrée par la suite, avec qui je vis aujourd'hui et qui m'aide énormément à sortir de ma zone de confort. Sans cette rencontre-là, ben, je ne serais pas non plus qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai l'impression, c'est peut-être assez égoïste ce que je vais dire, parce que ça m'a fait du bien à moi, mais je me dis que si tout le monde fait ça, ben, peut-être qu'on sera du bien aux uns aux autres, en fait. Voilà. Merci. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la place du proche, de la famille dans le chemin de rétablissement. On ne parle pas toujours de la place aussi des amis ou des rencontres professionnelles. Et c'est une belle image aussi de voir que, en fait, on peut être entouré par diverses personnes. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour demander à Stéphanie et Clotilde de nous rejoindre. Et Stéphanie, quel aspect du travail de Juliette, parce qu'il me semble que c'est toi qui a pris contact avec Juliette à la découverte de son travail, quel aspect du travail de Juliette t'a attiré? Et est-ce que ça a changé toi est-ce que ça a changé quelque chose à la vision que tu avais de la santé mentale à travers la rencontre de Juliette? Alors, en fait, oui, quand j'ai découvert le projet de Juliette, moi, j'étais déjà persuadée que dans les troubles psy, il fallait avoir d'autres focus, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer différemment qu'à travers la maladie, à travers la thérapie, à travers les médicaments, tout ça. Et donc, j'étais un petit peu, je naviguais un petit peu, cherchais, je savais qu'il y avait quelque chose à faire, mais quoi, c'était encore un peu flou. Et c'est vrai, quand j'ai vu le projet de Juliette, que j'ai rencontré Juliette avec qui j'ai échangé, j'ai compris l'impact en fait et la puissance que pouvait avoir l'art sous toutes ses formes. Là, c'était de la photographie, mais en fait, moi, la première fois que j'ai discuté avec Juliette au téléphone, c'était déjà artistique, c'est-à-dire que c'était déjà de l'art. C'est la personne en elle-même dans laquelle on se retrouve et dans laquelle on comprend en fait qu'il y a quelque chose et que ce quelque chose va nous faire du bien et va nous aider et va nous faire avancer. Donc voilà, je ne pouvais qu'accrocher avec elle et je savais aussi qu'elle allait nous
nous aider, en fait, nous donner aussi un impact dans cette association Talk to Me pour faire découvrir ce côté artistique, en fait, qui est parce que Juliette est quelqu'un de profondément. Je parle souvent d'un ange quand je parle de Juliette, parce que c'est quelqu'un qui, malgré la maladie, a un altruisme, une compréhension de l'autre et une envie d'écouter l'autre, qui est de faire découvrir son univers à travers des belles choses, qui vaut parfois beaucoup de thérapie, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment beaucoup. Et souvent, elle me dit qu'elle a de la chance de m'avoir rencontrée, mais je pense en avoir autant qu'elle, parce que elle fait partie des personnes qui déstigmatisent la maladie tout en montrant la difficulté de vivre avec ces troubles-là et en plus la façon dont elle parle du trouble de sa maman et de la culpabilité. Nathalie parlait de la culpabilité. Moi, j'ai des TOC depuis l'enfance. J'ai un garçon aussi qui en développe, qui a 17 ans. Et cette culpabilité est atroce. C'est un poids qu'on a avec nous. Et leur échange, leur projet donne, en fait, montre à quel point l'amour aussi peut faire avancer et peut aider dans la maladie. Il n'y a pas que les thérapies, il n'y a pas que le côté médical, il y a vraiment ce côté d'échange, que ce soit amical, parce qu'on parle des proches. Et comme tu le disais, Élise, les amis peuvent aussi être dans le parcours quelque chose d'important dans le rétablissement. Merci Stéphanie. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est au travers de Talk to Me, je crois que du coup, Juliette, tu as rencontré Clotilde. Donc C'est ça, ça. c'est un enchaînement de rencontres. Clotilde, je vais te poser une question, parce que toi, tu es journaliste pour handicap.fr et aussi créatrice du podcast On marche sur la tête. Est-ce que je peux me permettre de te demander du coup le rôle des médias dans la vision de la santé mentale? Quel est le rôle que les médias peuvent jouer et comment ils pourraient utiliser aussi le travail de Juliette pour faire changer un peu les regards sur les troubles psy? Bah, les médias, c'est vrai qu'ils ont une grosse responsabilité dans la formation qu'on peut véhiculer sur les troubles psychiques qui sont encore énormément tabous aujourd'hui dans la société, même si depuis le Covid, on a une impression de libération de la parole sur la santé mentale. Ça reste quand même très compliqué de parler de psychiatrie avec bienveillance et avec positivité. C'est vrai que je trouve que l'art participe par le biais du travail de Juliette et d'autres artistes à sublimer quelque part les maladies psychiques, chose que ne font pas forcément les médias aujourd'hui qui sont, et je m'inclus aussi dans cette responsabilité-là, qui sont encore qui jettent un peu un voile négatif sur les maladies psychiques en les traitant sous le prisme de faits divers et d'histoires pas toujours, on va dire, glorieuses. Et donc, par définition, les lecteurs de ces médias-là vont avoir un avis un peu biaisé sur la question des troubles psychiques. Et c'est dommage. Donc, je pense qu'on a une responsabilité en tant que journaliste de s'interroger sur la façon dont on traite ce sujet-là. Il y a le travail super de l'association Papageno qui, sur la question du suicide, intervient dans des écoles de journalisme, dans des rédactions pour essayer de convaincre, enfin pas de convaincre, mais disons d'aider les journalistes à utiliser les bons termes pour parler du suicide dans leurs articles, dans leurs travaux, pour ensuite pas influencer de façon négative leur audience en fait. Donc oui, je parle vraiment beaucoup de responsabilité en tant que journaliste sur la vision que la société peut avoir de la santé mentale et donc pour déstigmatiser évidemment ces sujets-là. Merci beaucoup. Je crois que vous avez au final tout un peu des projets avec Juliette aussi. Stéphanie, ça vous a permis de créer Talk to Me. Clotilde, je pense que vous avez également réalisé des projets avec Juliette. Notre thématique cette année, c'est la force du collectif. Est-ce que vous pensez que justement ces rencontres, ça vous a permis de faire des choses plus grandes aussi? Comment vous parleriez des projets que vous avez en cours? Je ne sais pas qui veut se lancer. Je pense que c'est
C'est assez ironique le terme que je vais utiliser, mais ça nourrit énormément. Ça nourrit l'amitié, ça nourrit, bah, comme tu dis, les projets artistiques et professionnels, parce que forcément, enfin, pouvoir me dire que je peux vivre de la photo en racontant des choses qui sont importantes pour moi, c'est juste quelque chose que j'aurais jamais cru possible et c'est très fort pour moi. Ça fait nourrir des envies que je ne pensais pas qu'elles viendraient un jour de par la maladie. Et ça donne envie aussi de raconter encore plus ce genre d'histoire, de faire de nouvelles rencontres et de donner la voix, enfin la parole bah, à d'autres personnes que l'histoire de maman et moi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Talk to Me et dans les projets qu'on a avec Clotilde. Donc avec Talk to Me, on essaie beaucoup d'approcher les talks en se questionnant par rapport à la psychologie, par rapport à l'artistique. Stéphanie le disait très bien tout à l'heure. Et avec Clotilde, pour l'instant, c'est plus en construction, mais vu qu'on vit ensemble, en fait, on en parle tout le temps et on vit en pensant à la santé mentale et comment raconter de belles histoires. Mais en fait, on le vit sans même s'en rendre compte. En fait, ça fait partie de nous. Et ça, enfin, personnellement, ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, en fait, c'est plus Oui, sur je le bien de l'amitié. partage. Voilà. Sans Ouais. maturation, disons. Voilà. En permanence, en maturation. Mais c'est super chouette. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à dire que dans le chemin du rétablissement, dans le parcours de rétablissement, bah, c'est aussi des rencontres sur son chemin de rétablissement et puis que chacun arrive à son rôle à jouer à un moment donné. Et je pense que bah, voilà, c'est cet entourage autour de Juliette, c'est aussi une bonne illustration de ça, du partenariat aussi et de ce que peuvent apporter aussi les proches et les rencontres. Et pas seulement uniquement les professionnels, c'est aussi l'entourage qui a son rôle à jouer. Et notamment quand on parle voilà, au travers de projets comme vous avez toutes. Je vois Sandrine apparaître, donc je pense qu'il est temps c'est le moment des questions du public. Sandrine, du coup, je vais te laisser la parole. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Déjà, merci pour cette exposition et puis pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'était très intéressant, que ce soit de forme ou de fond, vraiment touchant. Donc, vraiment, merci, que ce soit radio, image, diffusion, super. Pas radio, podcast, pardon. Donc, voilà. Et puis, donc, pour les questions. Alors. Alors, attendez, je remonte juste. Voilà. Il y a une personne qui parlait des TOC. Alors, attendez, excusez-moi, je suis remontée trop haut. Bonjour, savez-vous s'il existe des dispositifs. Attendez, je ne suis pas trop haut là. Attendez, excusez-moi, je redescends. Ouais, je suis trop remontée. Alors, donc la première question. C'est, on a vu dans ton photoreportage, donc pour Juliette, que certaines photos datent d'il y a longtemps, quand tu étais à l'hôpital. Est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà dans l'idée de faire ce reportage, de garder une trace de ce que tu avais vécu pour en faire ce magnifique témoignage photo? Ben, merci pour cette question et ben, merci à la personne qui pose la question et du coup merci à toi Sandrine pour ce que tu disais tout à l'heure. Alors non, au début je voulais pas du tout en faire un reportage. C'était vraiment quelque chose de thérapeutique que je faisais pour moi, qui restait dans la galerie de mon téléphone. Et d'ailleurs au début quand j'ai commencé à vraiment faire des photos que je savais qui étaient destinées à être montrées, je voulais pas inclure aux archives. C'était un ami photographe qui avait déjà une longue carrière derrière lui, qui me dit mais tu as toute la matière, pourquoi tu ne l'utilises pas en fait? Et qui m'a persuadé de l'utiliser, mais à l'époque, j'associais la photographie à quelque chose qui devait être uniquement esthétique, et je trouvais que les photos d'archives n'étaient pas assez esthétiques. Du coup, c'est après que j'ai choisi de les ajouter. D'accord. Donc c'est venu en deux temps du coup, entre les anciennes et les nouvelles pour appuyer le propos. C'est ça, exactement. Et puis de plus en plus, j'aime l'aspect collage, l'utilisation de différents types de médias. J'ai aussi utilisé avec maman des textes, des extraits de textes qu'on avait écrits par le passé, qu'on a remis en page. Donc c'est vraiment ce jeu avec le temps et notre histoire que je trouve est pas mal et qui n'était pas du tout là à la base, en effet. D'accord. Donc, on a aussi une question.
Est-ce que le support photographique a participé à la guérison? Et du coup, je m'adresse un peu aux deux. Est-ce qu'à la maman, à la fille ou à l'une en particulier? Il ne faut pas qu'il y ait que moi qui parle, hein. Ben écoute, je vais t'aider. Il n'y a pas de guérison pour ce qui me concerne. Il y a une amélioration. Je veux dire, quand Juliette était bébé, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Je ne travaillais pas. Je ne... Voilà, la vie, j'étais vraiment coincée plusieurs heures par jour par les tocs. Ça a évolué au fur et à mesure. Maintenant, je travaille à nouveau depuis plusieurs années en académie, donc comme Juliette l'a dit, et j'adore mon boulot. Et je vis à l'extérieur. Bon, il reste des choses, quoi. Il reste ce passage intérieur-extérieur, lavage de mains. Je pense que je nettoie beaucoup plus que la moyenne. Et je pense que Juliette a toujours aussi, enfin, je sais que Juliette a toujours aussi des TCA. Je me souviens que la thérapeute de Juliette disait, il y a environ un tiers des personnes qui en guérissent et qui n'ont plus jamais de soucis, un tiers qui en meurent et un tiers qui vivent avec. Et je pense qu'on est dans ceux qui vivent avec et c'est déjà une chance. Maintenant, la marque m'a aidé un petit peu à avoir moins honte, ça c'est certain. Mais pas une guérison que j'espère toujours. D'accord. Est-ce que... Alors, il y a une question. Attendez, je descends encore. Comment l'association Talk to Me, pardon, aide-t-elle les personnes qui vivent avec des TOC? Quelles sont un peu les différentes approches? Je pense que je vais répondre avec l'aide de Stéphanie, Oui. mais Voilà, je me permets avec toi de répondre à cette question. Ben, en fait, on est surtout déjà à l'écoute parce que malheureusement, le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, aujourd'hui, c'est compliqué en fait d'en parler. Donc déjà, les gens viennent chercher de l'aide et du soutien. Donc il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. C'est là, je pense, la première chose aujourd'hui. Pour ma part, vraiment, c'est le plus gros en fait de l'association. Après, on essaie un petit peu d'aider les gens aussi à travers l'art, mais déjà les écouter et leur faire comprendre en fait que ce qu'ils ont, c'est pas de leur faute, c'est pas une maladie honteuse et essayer de déstigmatiser aussi un maximum avec voilà un soutien permanent. Enfin, quelles sont donc les autres formes de TOC? Il y en a beaucoup, beaucoup trop, tellement. En fait, moi, je dis souvent qu'il y a autant de TOC que de toqué, si je peux me permettre de dire toqué, que j'aime pas du tout ce mot, mais parce qu'en fait, le TOC est un trouble qui vient envelopper la personne et sa vie, son chemin de vie, ses traumas. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de TOC de contamination, de vérification, mais ça va bien au-delà. Je pense que Juliette, maintenant, bah, du coup, avec l'association aussi, a découvert même voilà, certains troubles. Même moi-même, j'en ai découvert. C'est vraiment. On peut pas donner en fait une limite au TOC, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se greffer et venir se mettre dans des choses qui sont multiples. Donc on peut pas vraiment dire voilà, il y a un TOC de ça, un TOC de ça, un TOC de ça. Non, c'est très complexe. Plus je rencontre des personnes qui en ont et plus je me rends compte de la complexité en fait de ce trouble. Je ne voudrais pas trop glorifier les TOC non plus, mais c'est ça que je trouve incroyable, c'est à chaque fois, c'est à quel point chaque personne a vraiment un univers qui lui est propre, lié à ses obsessions. C'est Et ça ça. devient, ça crée des fois qui sont extrêmement négatives, mais aussi des fois qui sont extrêmement riches. Si on décide de s'approprier ses pensées pour en faire des choses belles, comme de l'art, par exemple, ou comme cette idée de partage et d'échange. Mais c'est sûr que le revers de la médaille, il est bien obscur. Merci, merci Juliette, Nathalie, Stéphanie, Clotilde pour ces échanges très intéressants sur Merci à vous. Photoreportage qui était vraiment magnifique et riche en émotions. Merci à Élise pour avoir animé les échanges. Merci à Sandrine pour les questions à la fin. Tu t'en es vraiment très bien sortie.
Merci à tous nos participants qui sont présents sur le chat depuis le début des journées de la schizophrénie. On va bientôt devoir terminer cette conférence. J'en suis vraiment désolée, on aurait pu rester longtemps avec vous. C'était très intéressant. Oui, on avait encore 1000 questions à vous poser, mais c'est pas grave. C'était déjà pas mal comme ça. J'ai Merci quand même dire encore. un grand merci à tout le monde, déjà à mes amis d'avoir participé et aussi à toute l'équipe de Positive Minders de nous avoir donné la parole et d'avoir été réceptif au projet. C'est hyper touchant et important pour moi et je pense que je ne suis pas la seule. Merci Juliette. Et Merci à on tous. rappelle que ta galerie est Merci. toujours disponible en ligne. On vous a partagé le lien sur le chat. On se retrouve dans un peu moins de 15 minutes pour notre prochain événement qui sera un concert. Alors, pas totalement un concert, mais plutôt Une présentation une d'album plutôt. présentation d'un album. Voilà. À tout à l'heure. Merci encore. Merci à tous. Merci, au revoir.